Coucou tout le monde, dimanche 12 décembre, il est 9h du matin, il fait beau, le soleil est présent, il fait très très froid, 2-3 degrés, on est à Montastruc-la-Conseillère ce matin pour le trail des oufs, au profit des super-héros contre le cancer, 11 km c'est 11 € dans la cagnotte, le lien est dans la description. Le trail des oufs, c'est la troisième édition je crois. Un trail de 22 km, un trail de 11 km et une marche, une course qui se veut solidaire. Il y a une partie du dossard qui est reversée à Hôpital Sourire. Il y a la marche qui est au profit du cordon d'or. Donc c'est plein de petites choses qui donnent envie de se bouger le matin. Les liens sont dans la description. Allez voir ce qu'ils font, laissez des petits messages si vous pouvez les aider. Allez-y. On va chercher la ligne de départ qui est à 1,3 km. On a eu des petits gâteaux. Merci à l'organisation. Et on est parti.
Ah, il y a les chaussures qui restent accrochées dans la boue. C'est impossible à avancer. Le poids s'enfonce bien. Allez, on lâche rien. C'est bien à l'arrivée donc Christophe Trégrand et Loïc et Aris ont l'arrivée de Nathalie et Alves de Macedo. Ouais, c'est là. D'Ariège. Ouais, ils sont venus de loin. Et arrivée de Cyril Malzéran, 27e. Coucou tout le monde, on se retrouve dans la voiture pour le petit débriefing d'après-course. Cette course, il a fait bon au final, une fois que le soleil était présent, c'était quand même super agréable. De la gadoue comme il fallait, ça collait bien sur les deux derniers kilomètres dans les montées, c'était vraiment pas évident. Merci à tous les organisateurs, à tous les bénévoles, c'était vraiment top, le ravitaillement à l'arrivée était génial. Merci à vous d'avoir regardé jusque là, n'oubliez pas. Si vous pouvez aider les différentes associations, que ce soit le Cordon d'Or, avec qui j'ai pu échanger en arrivant, que ce soit les super-héros contre le cancer, la cagnotte est toujours en ligne. C'est 11 km, ils sont faits, c'est 11 euros qui s'ajoutent. Merci à tout le monde pour les petits messages, ça donne de la force, ça motive pour se lever le matin. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour la Corrida de Toulouse. D'ici là, prenez soin de vous. Bon dimanche.